Wesh les gars, wesh les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi personnellement ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve enfin avec la vidéo du coup pour l'écran. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et puis le commentaire, un petit message ou taper, ça fait plaisir. Je remercie en tout cas les personnes qui le feront. Aujourd'hui petite vidéo, unboxing du coup de cet écran, je viens juste de le recevoir, donc tout simplement on va le tester en game sur Fortnite, peut-être aussi sur Rocket League, on va bien voir. Et puis aujourd'hui on le teste, on va l'ouvrir ensemble dans un instant. Et puis on est go, c'est parti quoi. Allez du coup pour commencer j'ai déjà enlevé du coup le scotch qui nous gênait. Donc là on va pouvoir enlever ce qu'il y a là. Du coup là on a tout simplement les branchements. Du coup pour brancher la télé etc. Enfin pas la télé mais l'écran. On a plusieurs branchements de ce que je vois, ouais il y en a plusieurs. Donc les branchements on les met de côté. Je mets ça du coup de côté. Ça là on a du coup bah... les infos sur l'écran, tout ça, on s'en fout un peu. On met ça aussi de côté. Les écrans, on sait comment ça fonctionne, en vrai. Pas besoin de se poser la question. Et là, on a du coup le pied de l'écran qu'il va falloir que du coup je monte avec tout simplement une vis. Hein. Ça doit pas être si compliqué que ça. De toute façon, je vais quand même regarder peut-être le mode d'emploi rapidement. Il n'y a rien de compliqué en vrai. Désolé hein, pour la caméra, peut-être que c'est pas non plus ouf. Donc là, il va falloir que j'enlève l'écran. Donc pour ceci, ça va être compliqué que je filme. Donc je vous avoue que c'est assez galère. Donc on se retrouve quand l'écran est tout simplement placé. Allez, l'écran est juste là. Donc là, il va falloir maintenant que je fixe du coup le pied qu'on avait tout à l'heure juste ici. Donc du coup, c'est le pied que j'ai là. Là, il va falloir que j'enlève hein, du coup le plastique autour et que je mette du coup le pied bah, comme ça quoi. Vous avez capté le truc. Pour que ça tienne après là-bas, j'ai mis le PC pour l'instant ici pour laisser un peu de place sur le bureau. Ne vous inquiétez pas, hein, il est protégé l'écran. En plus c'est un écran du coup incurvé. Donc voilà, c'est plutôt assez sympa. Je trouve ça cool, donc voilà. Là je suis en train de le monter et tout. Et ce que je kiffe déjà c'est le passement pour passer les câbles. Déjà il y a un passement exprès pour pas avoir les câbles. Comme ça bon, ils sont derrière directement et on les voit pas quand ils seront derrière au niveau de la télé. Ça personnellement je trouve ça incroyable. Donc voilà, on a le petit cache hein, du coup qui est juste ici. Après j'ai juste à le remettre dedans et tout simplement le fil sera caché par derrière. Donc c'est ça que je trouve stylé. Allez, du coup l'écran est posé, il est plutôt abordable hein, au niveau du prix. Donc là je l'ai mis penché. Vous pouvez aussi hein, du coup, c'était du coup pour vous montrer, vous pouvez le remettre hein, du coup tout simplement droit. Vous pouvez du coup choisir au niveau de la hauteur etc. Par contre au niveau du pied j'ai pas trop compris, mais normalement je crois que ça peut du coup normalement bouger, mais je suis pas si sûr que ça. Mais quand même au niveau du prix personnellement je kiffe. Après, hein, personnellement, que le pied puisse faire ça, je m'en fous un peu. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Parce que j'ai plutôt de la place au niveau de là, donc je peux toujours bouger l'écran comme je veux. Donc je suis plutôt content qu'il puisse quand même se lever, se descendre, et puis se pencher après, peu importe aussi, mais au niveau du prix, je suis plutôt content. Allez, là, je suis sur l'écran, du coup, d'accueil de ma play. Oh là 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 là, c'est incroyable, vraiment. Là, on va lancer Fortnite, vous allez voir la vitesse, ça va être impressionnant. Regardez-moi cette qualité, oh là là, une qualité authentique. En plus là, je vais pouvoir me mettre en 120 fps, là je vais surkiffer ma vie. Regardez-moi cette vitesse, quoi. Regardez-moi la vitesse. La vitesse du lancement, incroyable, vraiment. Là, je vais déjà être dans le lobby, je me demande déjà d'appuyer connexion en cours. La vitesse là, je surkiffe ma vie. Et on est déjà à l'accueil mon frère, même pas 30 secondes. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est abusé ou non? Ah là 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 là. Du coup, vous aurez toute la référence hein, de l'écran. Du coup, là, on va aller voir hein, les FPS. Rapidement, si dans les paramètres, hein, si je dois l'activer. Ah ouais, du coup, là, il y a tout mode IPS. Ah là 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 là, mon gars. Bah, bien sûr que oui, hein. Et là, je vais jouer en 120. Du coup, on va se retrouver dans le jeu. On va se retrouver dans le jeu et puis on va tester une game en Battle Royale. C'est parti. Allez c'est parti, je suis en Battle Royale du coup, là je vais aller spawn Harry Clays, on va essayer d'aller faire pas mal de kills. Par contre le jeu du coup il est incroyable hein, sur PS5 à 120 FPS. Sachez du coup que ça fait pratiquement bientôt un an que je suis sur PS5 et du coup je jouais à 60 FPS comme un PS4. Avant je jouais du coup aussi hein, sur PS4 et du coup là on va tester le 120 ensemble. Du coup ma première game en 120, donc j'ai jamais joué en 120 avant. Je suis juste allé tester du coup en map 1v1 rapidement, j'essaie de m'échauffer un petit peu. Et en vrai de vrai, c'est... Je vois pas encore... Enfin, je voyais pas trop la différence. Mais j'avais plus de lag, quoi. C'est surtout ça. Et puis, bah, les edits se font beaucoup plus facilement, quoi. C'est logique.
vu que du coup bah, c'est plus de la 60 FPS. Hein. Donc j'espère que mon niveau va augmenter. Je l'espère, hein, devenir un peu plus fort. Allez, là on essaie de se loot, on essaie de se mettre bien. Allez, je me mets de la vie. Normalement il y a un coffre aussi ici, si je me trompe pas. Enfin pas un coffre, mais de la vie ici, des slurps. Ok, let's go. Là, des champignons, ça c'est à moi. Tac, tac, on garde dans le stuff. Allez, go. Là-bas ça tire, on va essayer d'y aller. Donc, casse-toi le mur, que j'aille au fight. Allez, go. J'essaie d'y filer. Ils ont remis les boogie boogie. Incroyable. En plus, je loupe. Bon. Merde, t'as plus de vie. Temps de recharge, c'est quoi ce bot? C'est trop. Juste pour m'amuser. Allez. On danse ensemble. Juste pour me faire plaisir. Il est gentil, il est gentil. Allez, meurs. Ah là là. On s'amuse avec les bots. Allez, pompe. Mitraillette à air, en vrai là je suis plutôt bien. Là c'est le moment de faire des mokills là. Pourquoi pas. Pour cette première game en 120. En plus ça a un écran incurvé, donc j'ai jamais joué avec un écran incurvé. Mais en vrai de vrai je vois, il n'est pas trop incurvé, donc ça qui est bien. Allez, on va prendre du coup la voiture. Je monte dedans, hop, let's go, emmène-moi je ne sais où. Où il y a du fight en tout cas. Là on veut voir des beaux kills. Hein. On veut voir des beaux kills. Sans voir non plus des clips, mais ça arrivera au fur du temps, mais on veut voir des beaux kills là. Où je peux essayer d'aller rush. Alors, on va peut-être aller voir Restored. Allez, il y a du monde juste ici. Ok, carrément je monte dessus. Essayer de monter dedans, hein, dans sa voiture de merde. On va essayer de retourner le véhicule. Après ça peut être pas mal. Non, je peux pas y arriver. Voilà, parfait. Je vais le démarrer cet enculé. Allez, toi dégage. Oh merci pour ton pompe. Merci, en plus là je peux me remettre full là. Full vie. Ah, il avait trois grosses. Je garde les deux grosses ou... Il y a combien de mini? Il y en a 5. Vas-y, je garde les deux grosses. Comme ça, au moins, si je retrouve... si je retrouve une... Mais en vrai, du coup, il m'a mis bien avec sa voiture. Par contre, j'ai vraiment voulu la retourner, mais... Vas-y, je suis un peu nul, quoi. Je suis pas trop... Je suis pas trop conduire, quoi. On va lui rouler dessus. Hop, toi, t'es mort. Ok, ils sont par là-bas. Tenez, un mec juste ici. Allez, toi, meurs, Jimmy. Allez, toi, meurs. Toi, meurs. Ok, ils ont plus tous d'HP. Il n'y en a aucun qui avait un HP, je suis mort. Allez, on va reprendre la voiture qui est là. En vrai, hop, hop, on prend ça. Vas-y, ça re-kill sur la gauche. Go y aller. Merde. T'es nul! Moi là, t'es nul! Eh, vas-y, c'est de la merde, les voitures, ça me casse les couilles. Ah! M'a baisé en fait. Pourquoi je prends un kill sur le... Pourquoi faire? Non, je suis mort. Bon bah dommage. Dommage, dommage. Bon bah du coup on va se retrouver sur Rocket League. Allez, du coup c'est parti. Là du coup j'ai lancé en occasionné. Donc c'est parti, on va essayer de gagner cette manche. La qualité par contre elle est incroyable clairement. Oh ta gueule.
je vois directement la différence, rien que la couleur de la voiture et tout. J'ai l'impression que c'est pas la même chose sur mon écran. Après, c'est pas forcément ce que vous voyez peut-être, hein. Je sais pas trop si sur la vidéo vous allez voir la différence, mais la qualité de l'écran, elle est incroyable, vraiment. Raconte pas ta vie. Il y a une différence directe. Bon bah, en parlant de direct, il m'a mis directement la balle dans le but. Bien joué à lui. Bien joué à Liam, du coup. Allez, c'est parti. Il va falloir qu'on remonte 1-0 du coup, ouais, pour lui. En plus, je suis bien gay sur Rocket, ça fait un moment que j'ai pas joué. Allez, j'y vais, tête dans le but. Allez, reviens au centre. Allez, elle y va. Elle y va. Voilà, parfait. Let's go. C'est very good. Wesh l'équipe, juste pour vous rappeler qu'aux 1500 membres de Discord, passe de combat à gagner sur Fortnite. On y est proche, on y est bientôt. Allez, let's go. Allez, c'est parti, peut-être le deuxième but. On va essayer. Allez, vas-y, rentre dedans. Voilà, nickel. Je rappelle aussi dans la description, vous aurez aussi le lien du PayPal. N'hésitez pas, hein, on ne sait jamais s'il y en a qui ont l'argent pour. En tout cas, bah, à chaque fois que j'aurai, du coup, que je pourrais me procurer autre chose, hein, que l'écran. Par exemple, si un jour j'arrive à passer sur PC parce que j'ai assez de dons, etc. Bah, j'en ferai aussi une vidéo, hein, du nouveau PC, etc. Même si, par exemple, vous avez des idées, par exemple, de petits achats que je pourrais faire. Et les tests en vidéo, en vrai, ça serait plutôt pas mal. Moi, je trouve ça plutôt sympa, en vrai, comme genre de vidéo. Des vidéos unboxing, en vrai, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça change. C'est en non, deux. J'ai un but contre mon camp. Oh, le débile. Bon, bref. Allez, la vidéo qui touche à sa fin, je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Vous écrirez dans les commentaires, du coup, hashtag écran pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Merci en tout cas à tous et à toutes. Sur ce, prenez soin de vous et puis à la prochaine. N'oubliez pas, du coup, de partager. Allez, bisous.